Thierry, quelque chose de terrible vient d'arriver. Quoi, il y a encore un cochon qui vous fait la poubelle? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, la princesse Tina était en vie, il faut que j'aille la délivrer. Ah non, tu dois rester là pour faire le ménage, parce que la maison est dégueu. T'as compris? J'ai failli tomber. C'est parti pour Adventure Island. Alors, qui est un jeu vidéo, hein, puisqu'il y a l'image. Et malheureusement, il y a le son aussi. Ouais. Bon, alors c'est parti. On dirait que Maître Higgins qui trépine des pattes. On dirait un vieux touriste pattes, allemand. Même quand il est sur place, d'ailleurs, c'est assez coloré. Il y a des œufs. Il a une belle casquette et... Ah, il meurt en touchant un escargot. Déjà. Ok. Donc faut juste les esquiver. Ouais. Il y a quelque chose. Ça veut dire start, je pense. Je ne comprends pas pourquoi il trépigne des pattes en fait quand il se déplace comme ça, mais c'est original. Ah ouais. Là, faut l'éviter le truc. Ouah, j'ai fait le toucher. Ah, il ramasse des bananes. Ah, le caillou. Alors, le caillou, tu peux faire quelque chose avec. Tu crois? Je peux voir encore dessus. Merde, j'ai raté un cœur du coup. Petite inertie quand même. Ouais, ah, tu vois. T'as rebondi dessus, tu peux pas appuyer sur B. Ah, d'accord. Ah, il est armé. Attends, attends, t'en as pas infiniment, je pense, des trucs là, si. Bah, je sais pas, y a pas de compteur. Ah, ça a l'air. Ah, ouais, dans ce cas-là. Ah ouais, ouais, d'accord, bon. Ça y est. D'accord, donc Higgins, c'est un... En fait, c'est un skateboarder aventurier qui vit à Tahiti. Merde. En fait, faut que je balance des haches et porte une casquette. Faut que je pousse l'œuf et que je tire... C'est des haches, hein, je crois. Ah ouais, c'est des haches, ouais, ouais. Quoi? Et là, il est mort. Et en putain, faisant... ah, il y a du timing, peut-être. Il y a peut-être un timer. Il y a un truc au-dessus là, tu vois les barres ou pas? En dessous du 980. Ouais, ouais, ouais. Alors la barre augmente quand tu ramasses des cœurs, mais c'est pas la vie. Alors est-ce que c'est pas le Tomahawk et une fois que t'en as plus, tu meurs? Ah, en fait, le Tomahawk, je l'avais récupéré dans l'œuf en fait. Ouf! C'est pas passé loin. On a pas de chance. Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, il trépigne avec ses petites pattes, en tout cas, c'est original. Oups. Ah, ça y est, t'as réussi à aller plus loin. Ah, il aime les fruits, en tout cas. C'est une personne qui mange beaucoup de fruits. Un esprit sain dans un corps sain. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même avoir la chiasse, quoi, s'il mange pas des steaks ou... Voilà. Oh là, c'est beau, c'est beau. Alors, les espèces d'artefacts en haut et en bas. Ah non, putain, le piège quoi. Genre, il te pousse à sauter pour récupérer le truc. Tu savais pas que c'était comme ça, Tahiti, en tout cas. Hein. J'avais prévu d'y aller finalement, mais on dirait que. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ah, on a recommencé au tout début là. Oh putain, j'ai fait hyper avoir encore. Ouf. Ça va, ils ont pas été trop sévères sur les zones de collision. Ah, c'est la fée. Alors la fée, on court, on passe au travers de tout, là. Tu vas plus vite quand tu sautes, non? Je suis pas sûr. Ah ouais, le feu aussi, quand même. Je sais pas si je l'aurais tenté. Ah non, la bouse. Ah, la trajectoire des Tomahawk est très spéciale. L'ennemi trop chiant, alors qu'il est nul, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est lui, il pond des œufs, on est d'accord ou pas? Quoi, c'est... Oui, c'est les ennemis, ouais, même les corbeaux, ils pondent des œufs. Non, mais même toi, là, il s'est rien passé, t'as sauté, il y a eu un œuf qui a apparu. Ah, c'est avec tous les fruits qu'il mange, hein. Ah ouais, voilà. Tu vois? C'est des œufs cachés, en fait. C'est quoi, ça? Ah, tu crois? Vas-y, chope-le, c'est un bonus. Ah oui. Vas-y, essaye de tirer pour voir. Bon, peut-être changer d'arme. Niveau 1, niveau 2... Ouais.
contre, les vies, tout ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Elle remplit le pot avec quoi? Avec des fruits ou... Avec du feu. Voilà, c'est le nuage, là, pour sauter dessus? Ah ouais. Donc on peut marcher sur les nuages, à fait. Oh! Ah, on peut freiner en... En l'air. Ah, ça m'inspire, tout ça. Huch! Il est marrant, celui-là. Higgins. Il fait du skateboard. Sur les nuages. Et... Il combat des poulpes et ramasse des bananes. Higgins, il vit à Tahiti. Ah, il faut leur envoyer deux. Il balance des haches partout. Mais il y a trop de poulpes. Il faut exclure tous les poulpes de ce pays. Higgins, ah, il est un peu à droite. Zemmour Island. Il est un peu à droite. Plus tu dis ça, il y a un porc qui passe juste derrière. Attention, les nuages, ça glisse, c'est bien connu. Ah, Higgins, c'est sa petite fée qui le rend invincible. Et oui, c'est comme l'étoile dans Mario. Ouais, je pense. Et voilà, il faut foncer. Allez, saleté de cochon. C'est les cochons qui mangent les poules. Oh, il y a des gros poissons aussi à tête. Il était énorme. Non, Higgins s'est pas sauté assez loin et il a péri noyé dans l'eau. Ah, c'était beau. Quel hein. Talent. Ah oui, oui, ça m'inspire, hein, ce jeu. Voilà, surtout que la guitare. T'as essayé de jouer en applaudissant. Elle le fut, mais. Allez, donc c'est des cochons qui portent des strings quand même. On c'est dirait des cochons, sadomaso. On dirait, les... On dirait les cochons dans Minecraft, t'sais. C'est vrai. Mais ce jeu n'existait pas encore à cette époque-là. Donc là, on est sur des choses plus basiques. Avec du clipping. Hein, qui ah, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose. Qui regarde, c'est Notch en fait là. Ah, il y a un pot. Ah, t'as récupéré le pot. Yeah. Tu vas pouvoir te soulager avec tous les fruits que t'as mangés. Oh là là là, c'est triste. Toi ? Alors, ne me dites pas qu'il faut... recommencer au premier recommencer niveau, tu penses de... Du coup, dans l'ordre, ça fait la hache. Après, t'as le skate. Après, t'as la fée. Et après, t'as les bikinis. Ouais, c'est une montée en puissance, hein, ça c'est de la logique. Est-ce qu'on ferait pas un pari sur qu'est-ce que sera le prochain... cuvette de chiottes explosives ouais, que tu excellent. Lances. C'est ça, je pense que c'est ça. Parce que dans un moment, avec tout ce qu'il mange, il faut quand même qu'il se balade avec un WC sur lui, quoi, le mec. Hein, parce que là, t'as vu le nombre de bananes qui... Ouais, je suis pas sûr, hein, il laisse couler le long de la jambe. Hein. C'est possible, c'est pour ça que ça glisse autant, en fait. C'est ça. Il a les pieds pleins de chiasse. Même le continu, il est chiant à faire. Ouais. Plat, mais non. J'essaye d'avancer doucement pour pas tomber, en fait. C'est dire... T'es pas mal, là. Hein. T'as encore deux vies, t'as passé le... Je vous laisse deviner comment sont les le contrôles. Le checkpoint numéro 4. Oh, le pot. Ouais. Allez, allez, ah, il s'envole le nuage. En fait, là tu vois, c'est fait pour y aller lentement. Là. C'est, t'as vu à chaque nuage, ça y est, c'est fini, je pense. À chaque nuage, t'avais un. Ah, c'est un méga saut. T'avais une nourriture. Ouf! Ah là là! Bien joué! C'est le moment d'aller dans la forteresse du sorcier et sûrement c'est sa hutte, hein là. Tu crois que c'est déjà la fin du game? Il y a combien de niveaux? Ah non, 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 c'est des mondes. Là, je pense que c'est le monde 1, il doit y en avoir au moins 6 ou un truc comme ça. C'est la fin du. Tu penses que c'est la fin parce qu'on galère déjà tellement. T'es encore dans le niveau 1 là.
Ouais, voilà, ouais. Ah, ça change un peu. Ouais, c'est la hutte. Enfin, la cabane du... au fond du jardin. Bon, j'ai déjà perdu le bonus au bout de 1 mètre. D'accord. Et la vie au bout de 2. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est un jeu qui est quand même éprouvant hein, pour les nerfs. Ouais, il y a quand même un certain temps que l'arme se recharge. Ah, c'est. Oui, c'est très varié comme, comme scène d'action là. Grave. Je dirais un gif. Bien joué. Oh, oula. Là, tu voulais de la variété. Bon. Ah oui, non, mais. Ah, faut rester au bord du feu en fait, faut surtout pas avancer trop vite. Dès que tu vois un feu ou un caillou, tu restes derrière, t'attends de voir. Ah, tu vas trop vite. Oh là là. C'est frustrant. Ah, ah c'est les contrôles. Non. Fallait juste appuyer un petit coup à droite ou à gauche. Le checkpoint. Ouais, oh les œufs, il y a... Alors là, faut courir. Oh, mais il y a le. Tu as vu ça, ce scrolling là? Ouais, ça m'a vraiment impressionné, il y a eu un effet de... Ah bah j'ai penché hein, moi. Ah bah là, j'étais vraiment... Ah bah là... Impressionné. Vous avez plus de budget pour les décors. C'était scrolling là. Ouf. Alors c'est des... Ah bah on y est sur là, là ça nique les yeux là. Putain c'est mais c'est dans le frigo du sorcier là. Ah c'est pour ça qu'il y a... Attention, les stalactites qui vont tomber sur la tête. Je l'ai vu en plus. C'était obligé. Mais est-ce que ça glisse encore plus dans le frigo que d'habitude là ? C'est la question que je me pose. Mais sans les. Ouais, mais tu vas arriver par la gauche, tu vas le rater. Oh là là. Oh là là, les belles statues. Allez, il y a un œuf. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il te rend pas invincible en tout cas. Apparemment, je voulais essayer justement. Tu fasses le continu. Ah ouais, il fait descendre ta jauge à toute vitesse. Prends des fruits. Bah ok, bah je suis mort. Bah, mais... De toute façon, si je l'ai raté, j'étais mort aussi. Donc... Et le, c'est celui-là. Celui-là, ouais. Ah, il en font apparaître un bon à gauche, par contre, t'as remarqué? Ouais, je pense que c'est ça. Avec un bonus qui est peut-être très bien, mais... Oh là. Le bleu sur fond bleu. Ouais, oh, t'as une jauge de vie qui est bien remplie, là. Elle est à fond. Ouais. Oh là là. Oh, ce petit saut de... Ce petit saut de faible. Je crois que ça a suffi. Ça va être un suicide. T'es gaffe parce qu'il y a un gros rocher qui va. Ah là là. Qui va te rouler dessus. Donc en fait, il faut pas aller chercher la jarre. Non. Là, l'œuf là, il est sûrement bien. Faut arriver par le dessus, peut-être. Voilà. Ah, ça y est, t'as ramassé les bikinis. Ah oui, mais ça suffit là. Non. Allez, on continue. Oh là là, la plateforme qui met 2 heures à arriver. Ouais, elle est longue. Bon. On a encore pas mal de timers. Ça va, ils en ont mis assez des chauves-souris là. Ah, là, c'est... Nickel. Eh ben nickel. Et voilà. Et voilà. Alors, on va passer au niveau suivant et découvrir peut-être un boss, quelque chose. J'imagine s'il y a plusieurs mondes comme ça et que c'est juste le premier, la vache. Ouais, c'est le monde 1, zone 4. Alors c'est une méchante araignée, ça, ouais, on dirait. Putain, j'avais même pas calé que c'était une araignée au début. J'arrivais pas à la voir. On se fout de ta gueule. Alors si tu te sens de buter... Ah, le truc. Si tu te sens de buter la mouche... Bien joué. N'hésite pas, hein, ça va pas, on n'est pas bouddhiste ici. Ça... Ah. Voilà. Ah, c'est contrôle. On y arriverait mieux avec le bikini de guerre, je pense. Mais bon. Moyen. Voilà, c'est un niveau très très.
Oh, c'est pas passé loin. Ouais. Là, la jauge, elle descend beaucoup trop vite là. Il y a un checkpoint quand même. Wow. Ouais, je l'ai vu venir. Le ninja quoi. Le jeu, tu sais, il vient par derrière quoi, carrément. Voilà. Et la grenouille qui bouge pas, je comprends pas où est la. Aïe. La difficulté. T'as tout raté. J'ai tout raté. Ah, c'est horrible. Allez, petit checkpoint. Nerveux, quand même. Checkpoint. Filez-moi des fruits, parce que là, je commence à. Tu être pas bien, loin, là. C'est la jauge d'hypoglycémie, ça. Ça a pas commencé bien, mais là, ça va. Ouais. C'est ça, en fait, c'est un jeu sur le diabète. C'est vrai. C'est le mec, dès qu'il manque de sucre, en fait, ça va plus, quoi. L'aventurier du diabète. Oh là là. Bon, un petit checkpoint. Là, c'est étonnamment vide et calme, mais je pense que ça va se gâter après. Dit-il juste avant de mourir. Oh là là, et dis-donc, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ils crachaient pas avant, les trucs-là. Et la nuit, tous les serpents sont gris, hein, voilà. Puis là, ils crachent pas. Puis j'ai pas de hache. Mais je suis pas sûr qu'ils crachent. En fait, je me suis demandé si c'était pas un autre ennemi. Ah, pas de hache, c'est un bruit de boss, ouais. Là, t'as plus de timer. Tu peux y aller tranquille, si tu veux. Ah, il me donne une arme, quand même. Ça va, un combat de boss. Et voilà. Il est là. Ah, c'est le sorcier. Oh la vache, juste au corps. Je te laisse faire le continu. Juste au corps, moi il me tue. C'est un catcheur sorcier. Il est quand même en slip. Ils sont tous les deux en slip. Oh ah, oui. Et voilà. Oh quel et génie. Voilà. Et voilà, c'est gagné. On a réussi à battre le Est-ce premier boss. Est-ce que tu boss. Pouvais pas passer sans boss en une heure et demie de jeu. Ouais, tu m'étonnes. En sautant au-dessus, non, je pense quand même pas. Voilà. Eh ben, on a l'impression que c'est la fin du jeu tellement c'était dur, mais en fait c'est juste le premier monde. Je sais pas combien on a. On va juste regarder à quoi ressemble la suite. À quoi hein. ressemble la suite. Ah bah ça, c'est, ah bah vachement, ça ressemble. C'est vachement différent d'avant. Hein. Tu vas peut-être avoir des bonus différents. Ils ont épuisé toutes les textures. Ils ont jamais prévu que les gens allaient passer le premier monde. Ouais en fait, c'est ça. Ils se sont dit bon les gosses ils vont jamais y arriver. Et voilà c'est ouais, fini. C'était mal barré. Allez. Alors, ton avis sur Adventure Island, là, je vais faire une épilepsie avec les couleurs. Hein. Ça va, c'est pas un mauvais jeu. Ouais. Il est pas mal. Ouais. C'est pas dans les moins bons qu'on ait fait, clairement. Par contre, au niveau diversité dans les mondes, tu t'attends quand même à un changement d'ambiance et ça reste. Après, s'il date vraiment de 87, franchement, je trouve que ça passe encore. Te voilà, sorcier. Higgins, mon ami. Installe-toi donc. Bah, ok. Alors pourquoi t'as enlevé la princesse, sorcier? Mais enlevé, mais pas du tout, c'est elle qui a voulu me suivre. Bon, ah oui. Elle et moi, c'est une histoire de... Sortez-moi de cette cage. Mais bon, ça va aller maintenant. Des petits gâteaux. J'aimerais trop, mais franchement, j'ai arrêté le sucre. Ça me fait transpirer de derrière les genoux et c'est super désagréable. Derrière les genoux? Mais ça doit être épouvantable. J'ai une potion, justement, pour la transpiration de derrière les genoux. Tiens. Allez, grande rasade. Je suis pas super rassuré par la tête de mort qu'il y a dessus, là, en fait. Mais non, mais ça, c'est du marketing, c'est mon logo. Ouais, mais j'ai pas confiance, quand même. Bon, bah, sinon, t'as soif? Soda, jus de fruits, Oh, merde, j'ai que des trucs sucrés. Comment on va faire? Je sais pas, mais à propos de la princesse, Ouais, écoute, elle et moi, c'est du sérieux. Sortez-moi d'ici! Je te propose un truc. Je garde la princesse et je te file 3 noix de coco d'un coup.
Ah, c'est une offre. Trois noix de coco, je suis complètement déboussolé. Ah ouais, je sais, la vie est faite de choix. Moi-même, une fois, je devais renouveler mon stock de sous-vêtements. J'hésitais entre le lin et l'ortie. Bon, bah voilà, il faut suivre son instinct. Non, je sais pas, mon instinct me dit de te couper la tête. Ouais, bon, l'instinct, parfois, c'est surfait. Il faut faire preuve de sagesse, aussi. Faut laisser sa chance à un jeune couple. La chance de construire un avenir, une chance de... Je pense que je devrais quand même te couper la tête, en fait. Tu vas pas me couper la tête, je suis dans l'obligation d'objecter, de refuser. Tu veux pas jouer ça plutôt aux échecs ou aux billes? Si tu gagnes, je te donne la princesse. Ouais, mais les échecs, c'est trop compliqué, et pour les billes, j'ai des trop gros doigts. Joueuse de slam. Je pense que je devrais quand même te couper la tête, juste pour être sûr, quoi. Me couper la tête, soyons raisonnables un peu, t'as que ce mot-là à la bouche. Écoute, je vais déjà aller nous chercher à boire, et puis après on en reparle, hein, j'arrive, hein. Higgins, il découpe ses ennemis, ramasse des bikinis. Il a les pieds qui glissent. Il mange beaucoup de fruits. Dans ce jeu de calice, ça lui donne la chisse. Contrôle de merde, contrôle de merde. Higgins. Le poète des temps modernes.